J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour, comme vous l'avez vu, une semaine de Too Good To Go. On n'a pas fait de course la semaine dernière, mis à part des yaourts et des fruits, comme je vous avais dit, voilà, quand j'ai fait mes enveloppes, et parce que j'avais envie de tester Too Good To Go sur une semaine. Je connaissais le principe depuis longtemps, on le faisait régulièrement à Paris, mais là, voilà, je me suis dit, ok, pendant une semaine, on va faire ça et on va voir comment on arrive à manger, si on y arrive, etc. Je vous laisse avec du coup la découverte des paniers et je vous insérerai ça et là quelques images de ce qu'on a mangé. Alors quand c'était des repas tout faits, bah, j'ai pas filmé parce qu'il n'y a pas d'intérêt, hein, c'était juste à chauffer au micro-ondes. Et puis il y a quelques trucs que je vous ai filmé, que je vous ai montré un petit peu ce que ça donnait. Et donc voilà, c'était sympa, les garçons ont bien aimé l'idée d'aller prendre des sacs de courses et qu'on ne sache pas ce qu'il y a dedans. Voilà, après, on peut pas faire ça tout le temps, on peut pas se nourrir que en Too Good To Go, mais voilà, ça fait un petit challenge et du coup on en a eu pour 20 € pour la semaine. Donc voilà, c'était rigolo et peut-être qu'on le refera. Voilà, je ne sais pas, à voir. En tous les cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un Too Good To Go, c'était un Carrefour City. Il n'y en a pas beaucoup à Rouen qui font Too Good To Go, mais bon, cette semaine, je vais essayer d'en faire. Donc aujourd'hui, on a eu une salade de pâtes poulet cheddar, voilà. Ensuite, on a eu une salade de fruits exotiques. J'ai pas vu les dates, ben aujourd'hui en fait, hein. Je pense que tout va être à aujourd'hui, ça aussi c'est aujourd'hui. On a une salade comme ceci, on a des radis, ouais, ils sont pas abîmés, la date est à hier, mais bon, ça va encore. On a un big sandwich comme ceci, on a des calmars à la romaine et du pain. Et donc voilà, ça va nous faire le repas de ce soir en tout cas, parce que l'on revient du Havre et franchement j'ai pas du tout envie de cuisiner. Donc on va composer avec ça et du coup on a payé 3,99 € pour tout ça. Donc voilà, 4 € pour tout ça, donc ça va, c'est correct, c'est cool. Et on va pas tout manger ce soir parce que voilà, on va pas manger tout ça, c'est sûr et certain. Donc c'est pas mal. Alors deuxième panier de la semaine, on va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Donc un taboulé, en principe je le fais moi-même parce que c'est très rapide, on n'aime pas trop les taboulés tout fait comme ça, mais bon, on va le manger quand même. Un cervelas, pas mal, même si on est dans une période où on ne mange pas de viande, on mangera quand même. Une crêpe jambon et mentale, du fromage. Un plat tout fait saucisse purée, ça permet mot, et deux steaks hachés, voilà, et bien, c'est pas trop mal, voilà, c'est que du tout fait, parce que de toute façon, Too Good To Go, c'est souvent ça en vrai, sauf de temps en temps, on a la chance d'avoir de la viande, mais c'est parfait, c'est très bien, ça va bien nous aider, et c'est tout pour aujourd'hui. Alors, troisième panier Too Good To Go de la semaine. Il a l'air assez rempli. Donc, une pizza chevalardon. Super. Je pense que ça va pas être mauvais. On va rajouter un peu de fromage dessus sûrement, mais pas mal. Des yaourts, j'allais dire, mais c'est même pas des yaourts. C'est des desserts tartelettes au caramel beurre de micelle. On va voir. Voilà. Il n'y en a que deux, hein. On va se battre. Un panier repas, parce que je crois qu'il y a tout dedans. Ouais, il y a un cookie et puis une salade de riz. Voilà, parfait pour le midi. Ça va être bien, ça, comme les garçons sont au centre. Des yaourts. Eh bien, super. Voilà, 4 yaourts. C'est au lait entier ou pas? Je sais, en principe, ils sont bons, ceux qui sont au lait entier avec des coulis comme ça. Je vous montre, hop. Ça n'a pas l'air mal ça. Et pour finir, du pain de mie. Et c'est très bien parce que j'en avais plus. Et donc les garçons vont être ravis. Voilà. Et la date c'est quand? Jusqu'au 15. Bah, jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, franchement, il est encore bien moelleux. Donc voilà, super.
Alors, nous revoilà pour le quatrième panier to good to go de la semaine. Et donc, aujourd'hui, nous avons eu une baguette, des blinis. Je ne sais pas trop avec quoi on va les manger, mais je trouverai bien. peut-être que je ferai du thon avec Madame Loïc. Tiens, ça serait pas mal dessus. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est un chausson aux pommes. Mais j'en suis pas sûre. Bon, on verra. On verra, ce sera la surprise. Un sandwich triangle comme ça au poulet. Des petits suisses nature. Des champignons comme ceci qu'il va falloir très très vite manger. Un brocoli qui franchement est très abîmé. Je sais pas, il est tout mou et il y a du jus dans le sachet. Donc je sais pas, ça par contre, je sais pas si on va le manger. Et ici, on a 15 boulettes et du magret de canard. Donc là, le panier est vraiment rentabilisé. Ça, c'est chouette, ne serait-ce qu'avec ces deux produits-là. Donc voilà, les garçons adorent ces petits suisses-là. Ils aiment bien, du coup, faire leur petit mélange avec du miel ou du sucre et tout. Donc ça, c'est cool. Et voilà, c'est pas mal. C'est chouette. Eh bien, rendez-vous demain pour le prochain panier. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième, si je ne vous dis pas de bêtises, Too Good To Go de la semaine. Et je pense que ça sera le dernier, parce que voilà, on est vendredi. Et donc voilà, je pense que ça sera le dernier. En tous les cas, du coup, aujourd'hui, on a eu encore un brocoli, et qui est dans un meilleur état que celui d'hier, que franchement, j'ai dû jeter. Celui-ci est bien, donc super. On a ici des surimi avec de la mayonnaise. Je n'avais jamais vu ça, dis donc. Autant j'ai déjà vu avec du fromage frais, des herbes dedans, mais là, il y a de la mayonnaise. Donc, c'est cool. Ça c'est trop, trop bien. Des tomates cerises. Ah, alors, en revanche, il faut que je demande à mon mari si c'est lui qui l'a ouvert ou pas. Parce que c'est lui qui était allé chercher tout ça. Ici, on a de la salade. Trop bien. Des chipots, voilà, top. Sachant que du coup hier j'ai fait les boulettes, mais les deux steaks hachés qu'on a eu dans la semaine, ils sont toujours au congélateur. On a du jambon, 4 tranches, c'est cool. Un pain au raisin, des maminova, chocolat banane, voilà, mon mari les adore ceux-là, donc il est ravi. Une flamme gauche, voilà. Trop chouette. Et d'ailleurs, je pense qu'on va manger ça ce soir parce que je me sens pas bien du tout aujourd'hui, donc je vais pas cuisiner ça, c'est sûr. Donc une crème cush et deux poivrons, et franchement ils sont ils sont bien encore, les poivrons. Il y a un tout petit peu abîmé ici, mais voilà, c'est cool. Donc je pense que ça, je vais le mettre au congélateur, et voilà, ou alors on va les manger demain, je ne sais pas. En tout cas, voilà, cette semaine en tout go to go. Et du coup, pour 20 euros, et ben ouais, 20 euros la semaine, voilà, donc c'est cool, on est content.